Welcome on board, my friend. I'm taking you playing golf in Ireland. Bon, vous l'aurez compris, je vais pas vous faire ce vlog en anglais parce que mon anglais est vraiment pitoyable. Mais aujourd'hui, je vous emmène golfer en Irlande. Good shot. Yeah. Donc je ne pouvais pas aller en Irlande en vacances avec la dose de golf qu'il y a dans ce pays, ne pas vous partager un golf. Donc là, un vieux golf irlandais, je crois qu'il a été créé en 1800 et quelques, 1891 je crois, à côté de Fahan, et avec une météo splendide. Et c'est moi mon premier links. Suivi d'un fer 7, on devait être à 120 mètres et j'ai eu le rebond qui m'a fait sortir du green. J'étais sur le green, belle balle, mais bon. Alors voilà, les bunkers à l'irlandaise, hein. Des vrais bunkers de Lynx. On est au bord de la plage. Allez, un petit double pour commencer, mais c'est pas grave, c'est pour vraiment pour le plaisir du golf. Allez, à tout de suite, trou numéro 2. Trou numéro 2, c'est un par 4 de 346 yards. Et oui, on n'est pas en mètre. Les yards, il faut retirer 10% à peu près pour avoir une distance en mètres. L'Irlande est magnifique comme pays et ces golf links, je connaissais pas du tout moi. On n'en a pas beaucoup dans ma région. Et regardez comme c'est joli. La mer se trouve là, le golf se trouve là, la route nationale se trouve sur le côté. Hop, allez, allons trouver ma balle. Ok, donc c'est ça. Ma balle est dans un espèce de rough. On est à 150 yards, donc je vais pas m'aventurer à faire n'importe quoi. Premier enseignement du golf irlandais, ne pas s'égarer. Allez, on va tester ça. Ah bah, ça c'est du bunker, déjà. Oh, c'est magique. J'ai jamais eu autant de plaisir à être dans un bunker. Hop, un coup de râteau. Voilà, je l'ai bien sorti, je l'ai pas mal sorti, puisqu'il va être devant là, mais de 3, j'ai déjà joué 3 coups sur ce par 4. Allez, à tout de suite, on va tester une autre panoplie de coups. Peut-être le bunker m'a impressionné. Ça roule pas. Aujourd'hui, c'est pas le score pour le moment, c'est le plaisir de jouer. Et puis regardez-moi ce décor. Ça c'est la mer. Je voulais juste, voilà, quand on dit c'est la mer, on est vraiment en bord de mer. Et là on se retrouve au golf. Donc ça, juste là, c'est le trou numéro 3. C'est un par 3
257 yards, donc il va faire 140, 100 mètres, quelque chose comme ça. Donc, à faire 5. Regardez-moi ça. Waouh, waouh, waouh. Le pays du golfe. Voilà au green. Donc ma balle est juste là, là, plutôt content. J'ai échappé à ça. Regardez quand même, tous les bunkers sont creusés. Avec une belle lèvre, comme on voit notamment sur les majeurs, l'Irish ou l'Open, The Open. Le green est bien bombé. 152. Puis on va tenter de la pousser. Ok, donc je suis un peu à gauche, mais je suis à hauteur de drapeau. Non mais regardez-moi ces décors. Je sais pas si je golfe ou si je vous fais le touriste irlandais. Bon, ce sera un bogey. Voilà, bogey, enfin ça revient un petit peu dans les normes. Voilà, bogey, on va entamer le trou numéro 4. Je vais vous dire tout de suite ce que c'est. Ce trou s'appelle le Kinnegard, donc un par 4, 343 yards. Faut faire la conversion à chaque fois, hein, je vous laisse la faire. Hashtag réviste et mathématiques. Allez, on va aller partir un peu trop à gauche. On a pris un mauvais rebond. Non, on va aller voir quand même ce que ça donne, puis on va aller se replacer. Allez, à tout de suite. Donc voilà. Là, vous avez le fairway. Le drapeau va être là-bas, je sais pas si vous le voyez à la caméra. On a le piquet des 150 yards qui se trouve là. Voilà. Piquet des 135 mètres. Et je vois ma balle. Donc ma balle est là. J'imagine qu'on a 120 mètres pour le drapeau. Le drapeau se trouve juste là. Voilà, là-bas. Je vais mettre un fer 7, on verra bien. Elle est proprement posée. Elle est partie, elle revient. On a un peu quitté les doigts. Oh, j'ai vu une trace de sable. Je suis sûr que je suis allé faire un tour dans un bunker. Allez, on va voir ça. Alors l'Irlande, c'est le pays du mouton. Il y en a partout, hein, il y a des champs de moutons. Je crois qu'ils sont là par intérêt public pour l'entretien des jardins. C'est que le moindre champ, même dans la pampa la plus reculée de l'Irlande du Nord, où je suis allé visiter la pointe la plus septentrionale d'Irlande, dès qu'il y a des moutons, le champ ressemble à un golf. C'est magnifique. Et vous avez une herbe super, super agréable. C'est vraiment le pays du golf. Alors c'est un vrai plaisir et en plus je sais pas si vous le voyez, j'ai commencé mon séjour, ça caillait à mort. Là j'en ai même chaud en pull parce qu'en fait c'est ensoleillé aujourd'hui, c'est une bien belle journée pour aller golfer. Et je vous emmène golfer en Irlande, c'est énorme. North West Golf Club. Allez, à tout de suite, trou suivant. Alors voilà, le décor du jour. Les plantes typiques de la saison, je ne sais pas ce que c'est. Si vous avez une idée, vous pouvez répondre en commentaire. Et nous sommes sur le golf, North West Golf Club.
Donc par 4, 400 et quelques yards qui se trouve devant. Elle est pas mal claquée en gros. Elle revient plein milieu de fairway. Parfaitement placée. Et voilà, nous voici au coup numéro 2. Ma balle se trouve juste là. Le green est tout là-bas. Le piqué des 135, donc 150 yards est là. Donc je pense que je suis à 180 mètres, quelque chose comme ça, 190. Je vais voir ce que je tape parce que j'ai un sac dont je ne connais pas les clubs. Je vais mettre ça quand même. J'ai quoi? J'ai un fer 6, 7, j'ai un fer 4. C'est du Nike. J'ai un bois. J'ai presque envie de taper un fer 4. Ouais, on va faire ça, tiens, pour le tester. Les clubs sont plutôt pas mal. Je m'amuse bien avec. Le green est tout là-bas. On va essayer de pousser au moins pour se mettre en position approche-putt, hein, c'est l'idée. Alors, pas à gauche. Ah, je vais pas aller me mettre au bon endroit. Mince. J'ai été timide sur mon coup. Je pense que le golf irlandais m'impressionne un petit peu. Alors voilà, je suis allé me mettre dans la pampa. Le drapeau est là-bas. La pampa est ici. Je sais pas trop quoi jouer, je vais être franc avec vous. Je ne sais même pas si vous arriverez à voir quelque chose. Je vais aller me mettre dans la pampa là-bas, j'ai le drapeau là, je vais prendre ce point de vue là. Et il me manque mon 56 fétiche. Je suis sorti un peu n'importe comment. Je vais aller me mettre là-bas. Le drapeau est là. Donc on va faire ça, vous allez voir la balle arriver. J'avoue une chose, je bâcle un peu le jeu. Non pas parce que ça ne me plaît pas, mais parce que j'ai plus de plaisir à découvrir le golf à l'irlandaise qu'à chercher à scorer absolument. Donc je prends pas de bons alignements, je fais un petit peu n'importe quoi, mais j'ai plaisir à vous partager ce vlog, savoir que vous êtes avec moi là, pour cette partie irlandaise. Allez! Je pourrais vous dire que je suis en vacances et que je vais aller à la plage. Maintenant on est sur la chaîne Je vous emmène golfer, donc je vous emmène au golf. Et là on est au North West Golf Club. Donc trou numéro 6, Wind Mile. Donc j'ai pas toute la traduction, mais Wind, j'imagine que c'est un trou qui doit pas être simple à jouer. Je suis en bordure gauche du fairway. Alors, je ne l'ai pas bien touché, mais ça, c'est pas trop grave. Hein. Je vous ai dit que j'avais plus de plaisir à vous partager l'instant présent qu'à scorer au golf. Donc, c'est un links, tous les trous se croisent, il n'y a pas de végétation particulière. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent, donc on a l'impression que c'est simple. Hello. Alors, ma balle est là, et en effet, elle est très mal tapée. Puisque le panneau des 100 et quelques, 150 yards se trouve là-bas et que le drapeau lui se trouve tout là-bas. Donc je vais mettre un fer 6 pour me replacer. Bien. Ok, c'est parti pour une approche putt. Ça m'ira bien. Go! Ma balle est juste là. Le green est là-bas, alors j'ai pas de distance, c'est des yards, je suis un peu perdu. C'est pas mal. My ball is on the green. Ma balle est sur le green, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de putter, alors je suis pas à côté du drapeau non plus. Mais je vais essayer de putter proprement. Voilà. Regardez-moi ces bunkers. Oh là là, le taf.
bien voilà, il aura fallu attendre le trou numéro 6 pour que je sorte un petit peu de jeu. C'est pas trop l'objet. Me fait plaisir avant tout, je vous fais plaisir, j'essaie de vous partager un moment un peu privilégié, un golf en Irlande. Et là donc trou numéro 6, le Wayne Miles, qui démarrait pas forcément très bien, se termine par un par, donc je suis plutôt content. Allez, trou numéro 7. On a un bruit de route, en fait la route se trouve juste là derrière cette haie. Là, vous avez la mer, et entre les deux, vous avez le golf de Northwest Golf Club. Donc on est au trou numéro 7, 420 yards. Je vais être dans le rough irlandais. Là on est en Irlande, au nord de l'Irlande, mais pas en Irlande du Nord. Entre Brexit, Irlande, Irlande du Nord, enfin c'est pas évident de se retrouver. Mais on est à côté de Fahan, donc dans la campagne irlandaise, hein, c'est magnifique, il y a des sites touristiques, je vous invite à venir voir. Enfin, vous faites comme vous voulez d'ailleurs. C'est gavé de golf, donc je vais aller louer toutes les affaires, j'ai amené que mon gant. Hein. Je venais pas pour ça, mais je trouvais ça dommage de venir en Irlande, d'avoir une casquette, un gant, et de ne pas vous partager un vlog. Donc c'est chose faite, allez voilà. Ma balle se trouve là. Dans le petit rough irlandais, le drapeau est là-bas, vous ne le voyez probablement pas. Je dois avoir du fairway, donc je vais essayer de jouer ça en fair 7. Ah, c'est parti à gauche. Ok. J'ai vu la balle, j'ai vu le rebond, puis après plus rien. Donc en fait, c'est en mode Kinder Surprise. Qu'est-ce qui peut bien m'attendre là-bas? Donc je suis allé me mettre là-bas, on va aller voir ce que ça donne. Ah non, en fait, c'est pas la cata. Regardez, le drapeau est là-bas. Vous avez John qui est sur le green. John et David sont les deux partenaires que j'ai dû quitter quand je me suis aperçu que j'avais laissé perdu mes clés de voiture. Et donc, ma balle, my ball is here. 52. J'espère qu'elle est sur le green, je sais pas trop. En fait, je ne sais pas si elle est sur le green. Les greens ont l'air d'être très grands. Donc j'espère, mais au moins je pense que c'est un coup de putter. On peut jouer facilement au putter en extérieur des greens, tellement les fairways green et pré-green sont de belle qualité. C'est super agréable de jouer au pays du golf. Allez, ma balle est sur le green. Il va falloir que je sorte un putt d'anthologie, je vous montre ça de suite. Ma balle is here. Le drapeau est là-bas. Et on va tenter de sortir un gros coup, comme tout à l'heure. Alors, il y a de la pente, je pense qu'elle va dégueuler sur la droite. Welcome to Ireland. On est au Northwest Golf Club et c'est un plaisir de vous emmener golfer en Irlande en version voyage. Allez, trou numéro 8, ça a l'air d'être un par 3, je vais vous montrer ça de suite. My English is pourri. Le trou s'appelle le Piffleur, 133 yards et la particularité, vous allez le comprendre tout de suite. Alors voilà, le green est là, vous avez enfilé là parce que la route se trouve juste ici, on entend, vous devez entendre les véhicules passer. La mer est juste là. Hein. Le golf est un lynx pris entre la route nationale et la mer. Et le départ du 9 va être alterné, c'est assez marrant. Il va être juste devant. Donc je ne sais pas comment on va donner l'ordre et les priorités. Mais je vais vous montrer ça de suite. Bon, je l'ai pas bien touché, mais restez dans les mains. On aura une petite approche putt et ça ira très bien. Allez, à tout de suite sur le green. J'évite les bunkers.
parce que vous avez, oh, celui-là il est redoutable, regardez comme à la télé. Alors en vrai ma balle est là, mal placée, et le green est derrière. Ok, pas mal du tout. Stop. Ah, il est allé se mettre au fond du... Bon après, regardez, hein, au bord de la route, le gros bunker là. Bon, bref, c'est vite impressionnant de golfer dans ces conditions. C'est la ligne. J'espère que vous sentez le plaisir à ma voix de vous partager ce vlog. C'est un régal absolu. Alors là, je vous parle, j'ai juste fait gaffe parce qu'on les voit pas. Mais ah, bunker. Allez, trou numéro 9. Et on aura terminé ce petit vlog improvisé de vacances irlandaises. Je vous emmène golfer en Irlande, c'est énorme. Je suis trop content de le faire. C'est un régal, super accueillant, le Northwest Golf Club. Le clubhouse est là-bas, le trou numéro 9 pour terminer. Allez, venez, je vais vous montrer ça tout de suite. Ok. Clubhouse. Come on, guys. Come on, Irish golfer. Putain, mon anglais s'améliore au fil des trous quand même, vous trouvez pas? Alors voilà. Ça c'est le fairway, bien ras, là vous avez la route comme d'hab, c'est impressionnant, la mer à côté, and my ball is here, le green est tout là-bas là, donc pareil je vais refaire un coup de replacement parce que je suis pas en mesure de jouer plus que ça. Un beau contact, une belle balle pour le lie qu'elle avait, mais au vu du rebond j'espère juste qu'il n'y a pas un bunker. On verra ça, je suis au piquet là bas bon, on va aller voir ça tout de suite. Allez, venez. Ok, donc on est aux 135 yards, voilà, et en fait ma balle est là un peu derrière, donc j'ai 135 mètres, ça a tendance à rouler quand même, donc je vais sortir un fer 6 pour terminer cette partie. À tout de suite. Allez, un fou gratouillé. Un tout petit peu gratouillé. Mais bon, c'est pas mes clubs, c'est pas... Je suis plus là pour découvrir. Voilà, c'est la première fois. Ah, je croyais que j'étais sur le green, mais non, je vais être entré de green. Donc, 1, 2, 3. Je vais jouer le quatrième coup, allez, je vous y emmène. C'était le Northwest Golf Club. Donc un club irlandais historique. C'est un vrai fun de partager ce vlog et de venir golfer ici. Et ma balle est là pour terminer ce 9 trous. Le green est derrière. Je vais jouer à l'irlandaise, putter. C'était pas trop mal. J'espère que ce sera le dernier putt de la journée. Ah, ah, quel bonheur! Ça a été un bonheur, vrai bonheur, de venir golfer ici. Et je vous emmène golfer à un prochain endroit. Ce sera probablement pas l'Irlande. Allez, à bientôt sur la chaîne, les amis.